Salut les tafiottes, c'est Deka et c'est parti pour Borderlands que j'attends après séquelles que j'ai attendu depuis j'irais même presque plus d'un an maintenant. Donc voilà, on va enfin pouvoir commencer. J'ai pas encore commencé, j'ai juste allumé pour faire les réglages tout ça et bah maintenant que les réglages sont prêts, je pense qu'on va pouvoir commencer. Et je vais découvrir tout ça en même temps que vous. C'est parti. Apparemment, c'est Jasper Kidd qui a encore fait la musique, c'est son style. Va falloir t'expliquer un peu, ma grande. Formée dès l'enfance par Atlas au métier d'assassin, plus de 1000 meurtres à ton actif, t'as bien failli tuer mes deux meilleurs hommes avant qu'ils ne te capturent. Mais ces meilleurs hommes, ça me réchauffe le cœur. Ah. Alors voilà, Athéna. Je vais te poser une seule question. Et si je n'aime pas ta réponse, tu vas mourir. Juste ça. Allez. On joue! Attention, je ne répéterai pas. Ouh, je sens que c'est une badass, celle-là. Pourquoi? C'est une longue histoire. Oui! Après la chute du général Nox, j'ai arpenté Pandore comme mercenaire. Un jour, un programmeur de chez Hyperion m'a proposé un boulot. Il fallait que j'aille sur la Lune, chasser une arche, jouer les héros. J'aimais pas Hyperion, mais j'avais trop faim pour refuser un job payé. Et qu'est-ce que t'as trouvé? La violence, la folie, et un héros. Le beau Jack. Si vous avez joué à Borderlands 2, vous savez à quel point ce mec-là est un connard. Ils ont toujours des choix de chansons pour les openings excellentes. Hein. Je surkiffe. C'est quoi ce délire? Malentendu. Si la Légion Excellent. oubliée n'avait pas attaqué Helios, on n'en serait pas là aujourd'hui. Oh, living now without you.
Bon alors, épée, bouclier, ok. Soutien aérien. Flingue. C'est pas débile, c'est sophistiqué. J'ai envie de tester Claptrap, mais je sens qu'il va me saouler au bout d'un moment. J'ai peur. Bah allez, on va prendre Athéna. C'est elle qu'on voit là au début du jeu en plus. Allez. Non, Athéna, tenue d'Athéna, tiens. Y a pas du violet quelque part? Oh, elle est bien comme ça. Allez, jeu d'ombre. Oh, ça j'aime bien. Confirmé. Allez, on est parti. On est y part. Salut, chasseur de l'arche, et Salut. merci d'avoir répondu à l'appel d'Hyperion. Malheureusement, la station spatiale Helios essuie présentement une attaque des forces militaires de Dal. Tiens, prends ce système, Echo. Maintenant, suis-moi, je vais te mener jusqu'à ton contact. Jolie fusée. Oh. L'atterrissage était un peu Hé. dangereux, mais je te donne 10 sur 10 pour l'effort. Ouais, comme d'hab, niveau brutasse, sauf des murs. Ouais, c'est bon, niveau brutasse, on connaît. Ouah, niveau de brutasse. 12. Je les utiliserai après parce que je sais pas trop son gameplay à la demoiselle. Que je vois un peu les contrôles. Ouais, ok, j'ai. Ouh. C'est quoi ça? Et moi, je veux ça? Non mais où? C'est quoi? Objet personnel, ok. Ça marche, mon carte, objectif, les compétences. Ça, bon je vais pas vous faire chier avec ça maintenant, hein. Je les lirai de mon côté. Est-ce que je crois que c'est le menu dans lequel je passe le plus de temps à chaque fois à me décider sur quel arbre de compétences je fais? Je verrai ça plus tard le moment venu. C'est un méchant ça? Non, c'est un gentil. Ah bah oui, c'est vert, je suis con. Putain, faut que je m'habitue parce que ça, j'en ai dézingué des tas dans leur 2 là. C'est des potes maintenant. Oh. Allez. Ouais, bah 2 secondes. Et il me fait déjà chier Claptrap. Allez. Y'a rien là-bas? Bon allez. Ah bah t'aurais pu l'ouvrir pendant que j'étais pétain. Oh. Cette mission possède une repère d'hommes. Les repères d'hommes. Bon, je sais. Mettez-moi ça! Ils n'ont rien à faire entre des mains humaines! Vous disposez d'une grenade. Ok. C'est cool, t'as vu. Allez, on prend! On prend!
pardon, c'est ça que je voulais faire. Essayons ça. Une grenade arrive. Le colonel a dit que t'étais une cible face à toi. Il faut qu'on rejoigne la salle de contrôle du tribunal pour trouver Jack. Il m'adore. Oh, Jack Tanner ? Non, mon ami, Lito, il va s'en prendre plein la gueule. C'est génial, je suis fan. Allez, bonjour, je sais absolument pas d'où sortent ces soldats et pourquoi ils en veulent autant à la station, mais là je suis coincé. Il a la voix de Cartman, je trouve ça génial. Habituellement, je mets le jeu en anglais, mais juste parce que c'est la voix de Cartman, je le laisse en français quoi. Jack. Votre attention, Hyperion. Votre station spatiale Helios est désormais aux mains de la Légion oubliée. J'ai perdu mon rendez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Allez, viens chaud, le colonel et la Légion. Comme si t'avais la moindre chance de gagner. Évidemment que j'ai la moindre chance de gagner. Allez! Ça c'est fait! Ah putain! Allez, meurs! Voilà! Qu'est-ce qu'il fait, Jack? Ah, il reste couché, d'accord. Donne-moi de la vie et des munitions! Oui! Je peux aller là, let's go! Ah putain, je suis nul! Ah chier, je vais mourir! Oh putain, 2% de vie vite avant que je me fasse tirer dessus! Ah la vie là! Ouais! Oh là, oh là! Ah voilà, je voulais voir comment ça se passe ça. Toujours pareil, ok. Ah putain, voilà, dans ta sale face de... Ah putain, je suis dans la merde. À moins que tu préfères attendre, t'as du boulot. Ok, je vais rester là, avec mon hémorragie interne. C'est un passe-temps comme un autre, après tout. Ah oui, fais pas attention à moi. Je suis rien de plus... Oh bon sang. Tu m'as sauvé. Ah, ah merci. Ah, ah désolé, j'ai le cœur qui s'emballe, c'est la première fois qu'on me tire dessus. C'est marrant, en fait. Écoute, ces salopards ont attaqué Helios juste après que je t'ai convoqué. Si on arrive à les repousser, on pourra partir à la recherche de cette arche sur la Lune. Ouh. Moi je veux y aller sur la Lune. Chaque niveau supérieur augmente votre santé maximale et les dégâts que vous infligez. En outre, lorsque vous augmentez le niveau, votre santé et votre bouclier sont remis au maximum de l'enfant. Oui. Trop cool. Au rapport. Ah oh, putain, merde. Très bien, tu as trouvé un bouclier. Ouais. Tout est dans le titre. Il absorbe les balles jusqu'à ce qu'il soit vide. Ensuite, pense à te planquer le temps qu'il se recharge. Ouais. Laisse-moi juste activer les commandes de défense. Juste une minute et on aura des tourelles, des champs de force, des lasers. Ces connards vont rien comprendre. Ah ouais. Allez. Je dispose maintenant de bouclier. Et ben on va se l'équiper le bouclier. Il est où? Ah non, c'est moi, il est déjà équipé. Okay.
Wouah, sensibilité maximum. Wouh, wouh. Elles sont où? Ah, c'est ça. C'est de mieux en mieux cette journée. Très bien, ouais. Plan B. Si on peut pas reprendre Helios, il faut évacuer. Deux secondes, je regarde un truc. 14. Hé, hey, non, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il l'a acheté? On doit à tout prix prendre le contrôle. Oula, faut pas que je fasse attention, moi. Un véhicule s'est jeté, merde. Complètement con. C'est qui cette fille? Elle est à la tête des abrutis, je crois, je sais pas en fait. Le premier qui a une balle en pleine tête aura un high five et un manoir de folie. C'est l'agent, oui. Ok, je vais ouvrir cette porte. Les vas-y, ouvre cette porte. Ça sert plus à rien, joue ces trucs là. Oh, d'accord, ok. Oh, c'est pas possible. Oula, il a pas l'air content lui. C'est leur colonel. Lance le plan. Une bonne balle en pleine tronche. Bonjour, Jack.